Le
Psaume 27. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, alléluia. Toi, Seigneur, j'appelle, mon rocher ne se passe où. Que je ne sois devant en silence de ceux qui tombent dans la fosse. Écoute la voix de ma prière quand je crie vers toi. Quand je lève ma Seigneur vers ton Saint-Esprit. Ne m'entraîne jamais chez les impies, chez les malfaisants, qui parlent de peur à leur prochain et le mal est dans leur cœur. Donne-les, Seigneur, selon leurs œuvres et avarice leurs actes. Selon l'ouvrage de leurs mains, donne-les, baignez de leur salaire. Ils méconnaissent les œuvres du Seigneur, l'ouvrage de ses mains. Que les abattent jamais ne les rebâtissent, qu'ils paient de leur salaire. Béni soit le Seigneur, car il écoute la voix de ma prière. Le Seigneur, mon bouclier, ma force, en lui mon cœur. Elle, ma chair refleurie, de tout cœur je rends grâce. Le Seigneur, force pour son peuple, forteresse de salut pour son Christ. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, conduis-les, maintenez-les à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 47. Grand Seigneur, louable hautement dans la ville de notre Dieu. Le mont sacré, superbe d'élan, joie de l'univers. Le mont Sion, père de la Lyon, cité du grand roi. Dieu du milieu de ses palais, si le roi s'était ligué, avançant à la fois. Ils virent du coup stupéfiés, pris de panique et de campère. Le tremblement les saisit, un frisson le couché. Ce fut le robeste qui brise, les vaisseaux de Tarsis. Comme on nous l'avait dit, nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu. Dans la ville du Seigneur Sabaoth, Dieu l'a fermée à jamais. Nous méditons bien ton amour au milieu de ton temple. Droite remplie de justice, le mont Sion jubile. Les filles de Juda exultent,
devant tes vengements. Longe sillon parcourez-la et non laissez tout. Le long que s'attache à ses murs, détaillez ses palais. Racontez aux âges futurs que lui est Dieu. Notre Dieu au siècle des siècles, lui nous conduit. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Cantique de l'Exode, page 247. Je veux chanter pour le Seigneur, superbe sa victoire, cheval et cavalier, il jette à la mer. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Il est la force, il est mon chant, je lui dois le salut. Il est mon Dieu. Chars de Pharaon et les pousse à la mer, son élite de capitaines a sombré dans la mer rouge. Les abîmes les recouvrent, ils ont coulé dans les bas-fonds. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Dans l'infini de ta victoire, tu abats tes adversaires. Souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent, les flots se sont dressés pareils à une digue. Les abîmes se figent au fond de la mer. L'ennemi s'était dit, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme s'en gardera. Je tirerai mon épée, je ferai ma basse. Tu déchaînes ta fureur qui les consume comme paille. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb dans les eaux redoutables. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Formidable en exploit, dans ta droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu rachetas. Tu le guidas par ta puissance vers tes saints pâturages. Tu les mèneras et les planteras sur la montagne ton héritage, au lieu dont tu fis, Seigneur, ta demeure. Ô sanctuaire, Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles, amen. Psaume 145. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia, 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 louons mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez-moi votre foi dans les pinces, un fils de la glaise ne peut sauver. Ce jour-là périsse ses
qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fermé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui renferme. Il garde jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu aussi on l'a. De Saint Athanase, que l'Église fête en ce jour, le disciple doit se contenter d'être comme son maître. Voici la grâce que notre Sauveur nous a accordée. S'étant fait homme pour nous, il a offert son propre corps à la mort pour nous racheter tous de la mort. Bien plus, voulant nous faire connaître sa manière de vivre céleste et souverainement agréable à Dieu, il l'a exprimé en lui-même, afin que désormais l'ennemi ne puisse plus tromper facilement les hommes qui auraient un gage pour appuyer leur constance. La victoire que le Seigneur a lui-même remportée pour nous sur le diable. C'est pourquoi il n'a pas seulement enseigné, mais il a encore accompli ce qu'il a enseigné. Ainsi, chacun l'écouterait parler et en même temps, le contemplant comme dans une image, il tirerait de lui l'exemple de ce qu'il doit réaliser en entendant ces mots. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. D'autre part, nul ne trouvera un enseignement plus parfait de la vertu que celui que le Seigneur a exprimé en lui-même. Car, qu'il s'agisse de la patience, de la bienveillance, de la bonté, de la force d'âme, de la miséricorde, de la justice, on trouvera tout cela réalisé en lui. Ainsi, rien ne manquera en fait de vertu pour celui qui méditera la vie humaine du Seigneur. Paul, qui le savait bien, s'exclame « Devenez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Chez les Grecs, les législateurs ne brillent que par l'élégance du discours. Le Seigneur, lui, étant en toute vérité le Seigneur de tous, rempli de sollicitude pour ses œuvres, non seulement a édicté des lois, mais encore il s'est donné lui-même comme modèle, afin que ceux qui le voudraient connaissent la manière de se conduire. C'est pourquoi, dès avant sa venue parmi nous, il a fait retentir cette vérité dans les psaumes. Ainsi, comme le Christ a fait paraître en l'exprimant en lui-même l'homme terrestre et céleste, de même dans les psaumes, ceux qui le voudraient pourraient apprendre les mouvements et les sentiments des âmes, car on y trouve le remède et la correction de chaque mouvement. Et s'il faut dire quelque chose de plus persuasif, c'est toute la Sainte Écriture qui est maîtresse de vertu et de foi véritable. Mais le livre des psaumes offre comme l'image de la vie des âmes.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. » Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, au bas de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Saint-Moi, Julien, notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long. Devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
Saint-Esprit, grâce de la vie, par qui nous avons accès auprès du Père dans le Fils. Nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Éternel et Tout-Puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous.